réponse à l'appel de la Fondation Pontificale Aide à l'Église en détresse, les enfants de Terre Sainte se sont réunis avec tous les enfants du monde pour réciter la prière du Saint-Rosaire, jeudi 18 octobre, dans le cadre de l'initiative « 1 million d'enfants prient le rosaire ». Nous sommes heureux aujourd'hui. Nous avons encouragé les élèves à prier le chapelet avec 1 million d'enfants du monde entier. Je pense que le but est clair. Le message du pape de Rome est pour l'unité et la paix. Nous avons besoin de paix dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos sociétés et dans notre monde. Et nous avons également besoin de l'unité. Les enfants des écoles de Jérusalem, dont l'école Terra Sancta, Schmitt, le Collège des Frères, l'école du Rosaire et Notre-Dame du Pilar, se sont réunis dans la co-cathédrale du Patriarcat latin de Jérusalem pour réciter le Saint-Rosaire. « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Matthieu chapitre 19, verset 14. Une atmosphère de prière et de foi, pendant que les enfants récitaient le chapelet sous la direction de Sœur Virginie Habib, du bureau de l'éducation chrétienne du Patriarcat latin de Jérusalem. Les 230 enfants ayant assisté à l'événement ont reçu le chapelet en cadeau lors de leur prière. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour prier le chapelet afin que Jésus reste à nos côtés. Nous sommes venus prier notre Seigneur dans l'espoir qu'il donnera la paix et l'unité à nos cœurs. Je prie le rosaire pour que Jésus reste avec moi, me bénisse et me protège. Nous sommes venus à l'église aujourd'hui pour prier Jésus, afin que la paix règne et que le monde s'unisse.